Bonjour à toutes et à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'ambassade de Tunisie participera au mois de la Francophonie 2019 avec les activités suivantes. Trois films au programme des journées cinématographiques, à savoir La Belle et la Meute de Kawthar Ben Hamir, qui sera sous-titré en hongrois, Vague brisée d'Harbib Mestiri, ainsi que Le visage de Dieu de Graham Alwi, qui seront sous-titrés en français et qui seront projetés dans cette salle. Les synopsis de ces films seront publiés sur le site Facebook de l'ambassade, que vous pouvez consulter. Par ailleurs, la Tunisie sera également représentée au Festival de théâtre francophone de Pêche les 23 et 24 mars, avec la participation de jeunes artistes du Collège La Coupole de la ville de Sfax, en Tunisie. L'ambassade se propose par ailleurs d'offrir des présents pour les lauréats du concours d'éloquence du 7 mars et du concours de la chanson francophone du 13 mars. Enfin, l'ambassade compte participer à la traditionnelle journée porte ouverte le 30 mars 2019, avec une présentation très conviviale du rôle de la Tunisie dans la construction de la francophonie et des perspectives d'avenir de la francophonie. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour rappeler que la Tunisie, en tant que pays fondateur de la francophonie, abritera le prochain sommet francophone en 2020, sommet qui marquera le cinquantenaire de cette prestigieuse organisation. La concision étant recommandée, je citerai brièvement le président Habib Bourguiba, qui considérait la francophonie comme une double ouverture au monde, et souligner également l'infinie diversité du fait francophone. C'était en 1968 à Montréal, 2 ans avant la fondation de ce qui est devenu actuellement l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est toujours d'une grande actualité. Je vous remercie pour votre attention.